Superblood Hockey, partie 10. On est déjà rendu là, ça en fait 10. Pour ceux qui se joignent à nous maintenant, nous sommes champions. On a gagné la première saison, voici la preuve, trophée à la pluie. En ce moment, nous sommes très bons, nous avons un très bon début de saison. Nous avons 2 victoires, 0 défaite, presque au sommet de la ligue. Donc on va tout de suite aller jouer notre prochain match sans plus attendre. En fait, non, c'est pas vrai. On va aller s'acheter un nouveau joueur. On s'était promis ça dans le dernier épisode. Cette fois-ci, un playmaker. Parce qu'il y a juste Pan qui en est un. Fait qu'on va chercher le meilleur disponible. Parce que ça, on a de l'argent à dépenser. Fait qu'on peut. On peut se le payer. Alors, on a trouvé notre joueur, Bo Young Pyong. Un peu compliqué à prononcer. Lui, il a pas eu réussi à avoir un permis. Puis il a été sur la blacklist de certains sites internet. Donc, il va être parfait pour notre équipe. Donc voilà, viens avec nous, 2000$ il coûte, on a assez d'argent, on a doublé notre valeur d'équipe. Le seul problème de notre ami Byung-Yong-Yong, là, son problème, Bo Young-Yong, c'est qu'il ne patine pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Alors, on va falloir le mettre sur le tapis roulant, puis let's go. Jour 5 de la saison 2, jour de match, nos joueurs sont prêts, sauf Gil qui est toujours en convalescence en haut. On va, comme promis, on va mettre Guan sur la galerie de presse. Et on va faire jouer vraiment nos nouveaux joueurs. On joue contre les patates solides. Alors, nouvel alignement. On met Bo Young Pyong, Ryu, Doko et Bong. Alors, comme vous pouvez voir, on a seulement des. Quasiment des nouveaux joueurs qui sont là. Donc, à part Ryu et Doko. Parce que notre Guan. Donc, on va avoir Pan et Guan sur notre ligne de côté. Donc, c'est ça. Gil qui est toujours à l'hôpital, on se le rappelle. Alors, allons battre ces patates solides. Je sais pas si c'est une bonne option d'avoir mis quelqu'un qui patine très lentement au centre. Nous allons voir. On en est pour donner la meilleure équipe, puis rester de bonne équipe. Il faut s'assurer d'avoir des bons joueurs tout le long. Fait que c'est pour ça qu'il faut commencer à développer. Parce que si tu développes pas tes jeunes joueurs, et que tu gardes toi ta même formation, ben tu vas te retrouver à un moment donné que... Et voilà, un but. Ben c'est ça que je disais, tu vas te retrouver que t'as... Mettons, soit tes joueurs pointent en retraite ou ils se blessent. Fait que là, tu vas te retrouver dans le mal parce que les nouveaux joueurs qui sont jeunes ne seront pas là, prêts à remplacer en tant que tel. Ça vous rappelle pas une organisation montréalaise sportive en tant que telle? ça y pourrait suivre de ces conseils-là, mais bon. Hein? Qui suis-je pour dire ça? Moi, je suis seulement en train de gérer une équipe de hockey qui est après 8 pixels à peu près de sur eux. Équipe de hockey d'ailleurs championne, hein, qu'on se dise. Schlum. Ça s'appelle Bong est toujours à la recherche d'un premier but. Bo Young aussi. Bo Young Pyong. Notre goaler, faut dire, c'est le meilleur. Je pense qu'on va bientôt aller chercher un deuxième goaler. Juste pour pouvoir le développer aussi. Hop. Et voilà, je suis revenu dans l'action. Pyongyang n'était pas prête pour le show-off, là. Oula. Ok. Come on, Bong. You could make it. RIP. Ok, pas de problème. Ça a bel été, je pense pas qu'on a eu de joueur blessé. Uh-oh. Est-ce que c'est le joueur que je viens d'acheter qui vient genre juste de mourir sa glace? Bon. Ça aurait été une minute de, 2000$ pour une minute et demie de jeu. Le gars fait un gros speech de l'importance de jouer ses joueurs, puis son joueur il meurt. Ah boy. 1-0, oh man, on a perdu un joueur, je sais pas s'il est mort ou s'il est juste dans le coma. On saura après la game. Bon, l'arbitre qui a pas voulu, mais au moins il me l'a redonné. Peut-être ça l'erreur dans le fond, hein. Guan, on l'a vraiment préparé avant qu'il commence à jouer. Et lui, on l'a pas préparé. On a été l'acheter, puis pouf, dans l'alignement, vas-y. Vas-y mon champion, c'est triste. On a peut-être mis un gars de joueur junior qui était pas prêt. On l'a mis dans le gros show. Voilà, il est mort, probablement. Fait que tu vois, je disais que je faisais pas comme le Canadien, mais finalement j'ai fait comme le Canadien. J'ai brûlé un de mes jeunes dès le départ. Yikes! C'est ça qui arrive, hein? C'est un business, hein? Et c'est erreur! C'est jamais! Peut-être négliger aussi, c'est peut-être l'autre équipe qui sont des goons aussi, hein, on sait pas. Un poteau. Vraiment, on aurait peut-être dû mettre Pan, hein? Ah oui, Ryu! Deuxième but du match.
C'est notre fameux défenseur qui joue au centre, hein. C'est vraiment ça qu'il voulait, hein. Il arrêtait pas de monter en attaque tout le temps, fait que... peut-être ça qu'il voulait, dans le fond, il voulait jouer en avant. Maintenant qu'on lui donnait la... on lui avait mis en défense en plus, mais là, à cette heure que notre... Bo-Sang... Bo-Yong-Pyong... a pas l'air d'être trop vivant, ben... c'est ça, hein. Ouah! Ça a passé proche, ça. Par chance qu'on a un goaler imbattable. On a compris comment ça joue, hein. Mets un goaler, entraîne-le, et voilà, t'as le meilleur de tous les temps. C'est pour ça qu'on va commencer à aller chercher un deuxième gardien pour le préparer au cas où que notre 10 goaler décide de ne plus jouer ou prendre sa retraite ou whatever. S'assurer qu'on ait un bon deuxième gardien éventuellement. Autre stratégie que notre équipe montréalaise ne fait pas. C'est vraiment une équipe que... c'est vraiment un match où est-ce qu'on parle beaucoup des Canadiens. Hey, l'arbitre, c'est... il a essayé de me plaquer. Le petit coquin. Allez, Ryu, le tour de chapeau! On joue avec un joueur moins, mais ça paraît même pas. Tellement qu'on domine. Il y en a qui vont dire on s'ennuyait du temps que tu perdais là parce que c'était plus drôle là. Mais non, à cette heure, on est des champions! On niaise pas, on marque des buts, on les pète, ça finit de même là. Pac, pac, pac! Oh, c'est pas tuer nos joueurs là, Doko là. Est-ce qu'on est capable d'en mettre un petit dernier dedans? Non. C'est pas grave. Victoire des Glory Holes! Et voilà, troisième victoire de la saison! Mais là, on va aller voir ce qui est arrivé à notre ami Young Young. Ah! Bon, il est mort. Ah, je ris, mais c'est pas drôle. Il est mort, ben. Fait que je fais quoi? J'ai juste un joueur décédé là, dans un lit, là? Ou... il est où, là? Bon, ben, on a eu notre premier mort. Il aura duré un match. Mais on va faire des obsèques comme il se faut. Bon, c'était très touchant tout ça. On va aller dormir, puis on va aller se préparer pour le prochain match. Demain, on va aller se racheter un autre joueur, en espérant que celui-ci vive un peu plus longtemps. Jour 6, jour de deuil, on joue pas de match, on a demandé à la ligue de changer, parce que c'est ça. Hein. Donc, on va aller se rechercher un nouveau joueur, ou est-ce qu'on va pouvoir espérer qu'il t'offre un peu plus longtemps cette fois-ci. On a un autre joueur. Tio Yong Ma. En espérant que sa carrière soit beaucoup plus longue que notre ami précédent. Donc, celui-ci, il est en prison depuis 7 ans parce qu'il a coupé la ligne. C'est pas très gentil, ça. Donc, allez, viens-t'en. Bonjour, c'est Yong. T'es pas un joueur qui rend. C'est Yong. T'es pas quelqu'un qui remplace quelqu'un rapidement. Il a besoin d'accuracy, mais ça, tu gagnes ça en marquant des buts. Fait qu'on va l'amener sa robustesse. La robustesse, c'est. Je pense aussi que c'est pendant le match, ça. Bon, ben, on va pratiquer sur le brawling d'abord, hein. Pas bien le choix. Et, on va le faire commencer aussi sur le line-up parce que. Pourquoi pas? On va reposer de Doko un peu, là. Jour 7, saison 2, jour de match. Alors, on est prêt. On joue contre les œufs qui goûtent bon, les Stasty Eggs. On va voir, ça se situe où dans notre classement. Alors, ils sont 2-1. Nous, on est en haut encore. Tout va très bien. Donc, let's go. Pas le temps de niaiser. On s'en va jouer notre match contre ces œufs qui ont l'air délicieux. Alors, c'est le temps de donner la chance à Ryu au centre. On va mettre notre nouveau joueur en arrière. Ouais, en arrière. En espérant qu'il va vivre un peu plus longtemps que le dernier. Gong, on va pas lui laisser la chance. Ça fait assez de games qu'il joue comme ça. Et nous allons mettre Bong. Et voilà. Alors, Ryu, notre vieux routier, qu'on lui donne première chance au centre. Donc, Pan, skip deux games de suite. Vous voyez que nos overalls sont pas si bons comparés aux autres équipes, mais c'est normal parce qu'on est vraiment en train de pratiquer nos jeunes joueurs. Bon, je sais qu'il faudrait peut-être pas que j'ai pratiqué toutes en même temps dans le même match, là, mais bon. Bon, l'arbitre fait encore des siennes. En même temps, on a un beau coussin dans le classement. Je pense que c'est le temps de pratiquer ça pour nos jeunes. On s'appelle que Bong est toujours à la recherche de son premier but. Ouais, c'est important de la gagner parce que sinon... dans la bataille qu'on a eue, un joueur est mort.
Alors là, je bats plus mon joueur que je bats lui, là. Bon, et voilà. Ha! Alors, c'est vrai, c'est ma, c'est pas ha. Imagine, ça aurait été ha. Les t-shirts qu'on aurait pu faire, là. Ah, et voilà, premier but de bong d'une passe de ma. Ha là là. Ma bong. Bon, pour l'instant, ma, je suis beaucoup plus content de la performance de ma que de notre autre joueur, Byung. Pyong. Je trouve que... Pour l'instant, il survit beaucoup plus longtemps. Et il a l'air plus d'un joueur complet. Déjà un point dans la Ligue internationale de sang de sport. Et voilà, ma! Un premier but. Et on voit, je pense qu'on vient d'acquérir une superstar. Lui, il était prêt, mettons. Hein? Je veux dire, lui, il niaise pas. Hein? Il a coupé dans le fil là, pour être en prison. Fait que... Oh oui, quel jeu. Bon, l'arbitre fait encore des siennes. M'empêche d'aller marquer un but avant la fin de la période. On mène 2-0, c'est très confortable comme avance. À cette heure, on perd plus nos avances, fait que je crois que... It's in the bag! C'est dans le sac! C'est dans la main! Ouais! Bon, mon goleur qui décide de me plaquer, m'empêcher d'aller se faire ma sortie d'onde. Et ça regarde mal, ça! Quel repli! Ça rappelle, ça montre que Ryu est un joueur complet. Bon, on est deux centres de la patinoire. Ouais, mais attendez un peu, hein, c'est... Ok, let's go! Et voilà! Bang bang! Et je pense qu'on en a tué un. Et voilà, un colon défiguré. Bang bang bang! On trouve ça drôle, mais quand ça arrive à nous, je pense qu'on a trouvé ça encore plus drôle. Hein. Regarde, il vient vous hanter dans sa mort même. Anyway, à cette heure, on roule tellement sur l'argent qu'on peut s'en faire tuer des personnes puis on va être capable d'en racheter plein. On peut racheter à l'île quasiment. Hein. Bon, j'essaie de plaquer le gars, mais j'ai vu plus plaquer mon joueur. Et voilà, bang, deuxième but. Et voilà, c'est le match des recrues. Un autre but, bang. Hey, ça débloque, hein. Troisième but du match. T'es en train vraiment de péter la compétition, là. Y'a plus de difficulté, là. Bang, c'est vraiment mérité sa place sur la passerelle, hein, avec ses trois buts. Parce que oui, nous, c'est comme ça marche. Quand tu fais connaître des bonnes games, on te met sa passerelle. Plus simple que ça. Pour permettre aux autres joueurs d'avoir des bonnes games. Oups! Bon. Chance qu'ils font plus rien, hein. Star, ils ont peur. Emma, c'est notre futur star player, lui. Définitivement, là, c'est... Je suis surpris par sa performance. Oh, ça s'appelle deny une montée à la Mighty Ducks. Ouh là là! Leur TV Wing, là, nous a pas fait peur là-dessus, là. Et eux, ils font rien depuis le début, là. Ils sont vraiment apeurés devant notre style de jeu. Dominant à souhait. Disons que ça l'aide quand on gagne nos batailles, hein. Ah oui! Oh là là! Buzzer Beater. 5-0. Je pense que c'est notre victoire la plus éclatante. Et devinez quoi? Les îles sont gratuites! Victoire! Les Glorials. Ah! Ça finit bien un épisode comme ça. Merci de nous avoir écouté. Comme les autres youtubeurs disent, abonnez-vous à leur chaîne. Puis si jamais vous voulez vous abonner à la nôtre, ben tant mieux. Sinon, ben regarde, faites comme vous voulez. Hein, n'est pas vos mères, comme je dis. Fait que c'est ça. Ciao!